Ça, c'est du sténopé, c'est la photo sans objectif. Donc, il y a juste un petit trou dans une plaque de métal. On voit une plaque de métal. Et ça suffit à produire une image. C'est caméra obscura des Grecs. C'est connu depuis. Ils veulent l'utiliser. C'est connu depuis les Chinois, 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils n'ont pas de photo, mais ils pouvaient déjà faire des images avec ce procédé. Voilà. Le noir et blanc, parce que ça amène une souplesse dans l'interprétation. Enfin, pour moi, évidemment. Et je m'y sens plus libre. Et puis voilà, et oui, effectivement, c'est une interprétation, parce que le scénopé est extrêmement grand angle. Et effectivement, ce que je montre, on ne peut pas le voir à l'œil. On est obligé de le penser. Et voilà, c'est un des plaisirs d'essayer de montrer aux gens des choses qu'on ne voit pas forcément comme ça. Et pourquoi des tournesols? Ah, mais pour moi, c'est le côté déjà graphique, disons. Et puis, et je sais pas, ça, pour moi, ça m'évoquait des armées en déroute. Donc voilà, ça avait un côté. Voilà. Très guerrier. Oui, pour le coup, oui. Voilà. Ah, c'est Arcade qui m'a contacté, donc j'ai répondu avec plaisir. Il va y avoir, à Bardos, au mois de juin, voilà, avec mon collègue Médrinal, Caroline Boy et Gabriel Duplantier, avec les quatre. D'accord, voilà. Oui, effectivement. Eh bien, on vous remercie beaucoup, et puis bonne chance pour cette exposition. Ouais.